find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut, salut, je vous reviens vers vous pour un partenariat avec la société, la petite boutique de Stéphanie, donc de Stephen Scrap. Alors, comment dire, comme je scrape beaucoup ses produits ces derniers temps et tout, elle m'a gentiment contacté pour savoir si éventuellement je voulais un petit partenariat avec elle pour présenter ses produits. Et franchement, vu la qualité de ces produits, j'ai carrément dit tout de suite oui, quoi. Ces papiers sont magnifiques. Ben, vous l'avez vu, hein, quand j'ai scrapé la carte avec les papiers steampunk et tout. Honnêtement, c'est juste d'une qualité extrême. Du coup, là, elle m'a envoyé des petites bricoles que je vais vous montrer. C'est top, donc j'ai retourné la boîte parce qu'il y a mon adresse de l'autre côté, bien évidemment, donc ben voilà. Et je vais vous montrer, vous faire découvrir les beautés qu'elle m'a envoyées. Donc, vous retrouverez en barre d'infos sa boutique ainsi que mon code promo que vous pourrez utiliser sur son site. Il me semble que c'est 10%. Il faut que je me regarde, mais je crois que c'est ça. Et du coup, vous pourrez commander du coup des petites bricoles. Alors, je vais vous montrer tout ça, mais je n'ai pas envie que vous voyez tout de suite. Donc, j'aimerais les retourner. Est-ce que c'est possible de retourner, de mettre à dos, mettre tout ce qu'elle m'a envoyé. Voilà. Alors, quoique, non, on va mettre ça comme ça. Elle m'a envoyé des kits de cartes. Donc là, vous voyez, c'est franchement c'est très belle, très beau, c'est vraiment très beau. Unicorn Dream, Fabulous Finish Collection, Adorable Scorable, Magically Moonlight. Alors, ça c'est des kits cartes qu'elle m'a envoyé. Donc là, vous voyez, c'est une super belle licorne. Là, vous avez une espèce de frise. Encore des coupes. On va en ouvrir un pour regarder. Alors moi, déjà, on va ouvrir celui-là. Alors, vous avez... Oh, l'épaisseur. Ce fond avec la tête de licorne qui est juste trop beau. Vous avez ce fond-là. C'est trop beau. Par contre, c'est hyper épais, hein. Truc de ouf. Et ici, vous avez les découpes. Ouais, bah c'est vachement joli. Hein. C'est vachement, vachement joli. Je pense déjà savoir ce que je vais faire avec. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment très, très beau. C'est canon. Regardez-moi, cette tête de licorne est très, très belle. Birthday wish of the magical day. Donc ça c'est plus pour l'anniversaire. Là c'est un magique jour. C'est un jour magique. Donc là on peut l'utiliser pour n'importe quel. Especially for you. Donc spécialement pour toi. Donc ça c'est bon. Ouais, franchement c'est trop beau. Oh là là, ils sont canons. Et vous voyez, là c'est prédécoupé en fait. Vous n'avez pas grand chose à faire, juste à détacher proprement. Et voilà. C'est trop beau. J'ai hâte, hein, franchement, j'ai très très hâte de scraper avec. Par contre, c'est vrai que les fonds sont hyper épais. Donc, à voir comment on va pouvoir travailler ceci. Ensuite, vous avez le deuxième qui est là. Dans les tons roses. Alors, on va l'ouvrir. Oh là là, trop. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. Donc vous pouvez retrouver tous ces kits cartes sur sa boutique. Dans la vous cliquez sur vous allez voir, il y a trois ou quatre lignes, et vous cliquez là et vous allez sur kit de cartes, et vous pourrez retrouver tous ces kits. Donc s'ils sont encore disponibles, parce que je vous garantis que ça part super vite, ça part très 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 vite. Alors, vous avez
ici en forme de cercle, du coup, cercle ovale. Alors là, c'est une petite étiquette parce que vous voyez, il y a un petit trou là, donc on peut s'en servir comme petit tag. Là aussi, ovale, ovale. Inside, make today amazing. Leave a little sparkle wherever you go. Très joli. La frise là, elle est trop belle. Regardez les fronts. Ils sont au plus beau les uns que les autres. C'est un truc de dingue. C'est vraiment très beau. Par contre, c'est très cartonné. C'est très très cartonné. J'ai bien trouvé une solution pour faire une très très jolie carte. Maintenant, je vous dis, je sais ce que je vais faire avec. Je sais à peu près dans le style que je vais vous slapper ça. Donc, ça va aller. Et puis, ce que j'utiliserai pas pour les cartes, et là, vous savez quoi, on fera un jour un journal avec. Je fais faire des cartes et un jour un journal avec le reste. Un jour un journal. Non, un jour un collage, pardon. Faut que j'arrête de dire des âneries, hein. Donc, hop, ensuite vous avez celui-ci. Alors là, c'était plus un orangé pastel. Hein. Vous avez celui-ci dans les tons de rose violet. Ça, je cache. C'est trop beau. Là. Pareil, la forme de la découpe est juste trop belle. En plus, vous avez plusieurs choses en fait. Vous avez cette épaisseur là, vous avez celle là. Donc, vous pouvez faire une superposition avec de la mousse 3D comme ça là. Vous venez machin. Ah ouais. Je suis déjà parti. Voilà, très très belle. Regardez-moi cette licorne là. Steven, c'est juste trop beau ce que tu m'as envoyé. Oh là là, c'est vraiment beau. Regardez le foil et tout. Là, vous voyez, j'adore ces pailletés. Là, il y a un peu de foil. Et en plus, moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il y en a un peu. Pas à outrance. Ça va. Et celui-ci, le fond est trop beau. Oh là là, regardez ça. C'est magnifique. Là, il y a quoi faire de belles cartes. Hein. Alors, sur son site, dans les kits cartes, comme ça, vous avez des exemples de cartes que vous pouvez faire avec les kits. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que si vous n'avez pas d'idée pour faire vos cartes, eh ben, vous allez sur son site et il y a des exemples. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai été voir, j'ai regardé, mais j'avais déjà mon idée, en fait. Alors, j'ai vu les kits cartes. Du coup, voilà. Ensuite, je vais vous montrer les autres trucs, mais alors c'est d'une beauté sans nom. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a encore des kits comme ça? Je regarde. Ouais, il y en a là. Celui-là. Regardez. Dans les sons. Alors attendez, ils ont un nom. Celui-là, c'est I believe you in you. Alors attendez. Ah oui. Alors celui-là, c'est From the Earth. Ici c'est Make Today Amazing. Ici c'est Magical Moonlight. Puis alors moi je suis en extase devant des beaux trucs comme ça. I Believe in You. Donc là c'est plus dans le bleu marine noir. Dans le sombre. J'adore. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau. I Believe in You. C'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Et encore une forme différente, vous voyez. C'est assez intéressant parce qu'en fait, vous n'avez jamais la même forme au niveau de vos découpes. Là, c'était cercle. Ici, c'est une espèce de tag pointu comme ceci. Celui-là aussi, mais il est arrondi. Et là, il est carrément plus large. Jamais la même découpe. Franchement, c'est chapeau, hein. C'est très beau. Alors, on va regarder les papiers fournis avec. Oh la vache. C'est magnifique. Aïe. Regardez. Voilà cette beauté. C'est trop beau.
Ah ouais, c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est canon. Regardez-moi ça. On peut arrêter galaxies et tout. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Puis là, vous avez le rappel du coup de votre licorne qui est là. C'est magnifique. Franchement, Stéphanie, tu m'as gâté. Tu m'as gâté. Alors attendez, parce que moi je vous le remets dedans, je veux pas que ce soit abîmé, soyons clairs. Ensuite, du coup, vous avez des découpes. Alors, je pense qu'encore c'est encore. Alors attendez. Est-ce qu'il y en a un autre kit de cartes? Je regarde vite fait. De ce style. Ce serait avec tout verso. Non. Alors maintenant. Ici, j'ai des die cuts superposables. Donc vous pouvez faire des CD die cuts 3D. Donc c'est ce que je vous expliquais avec la mousse de tout à l'heure. Dans un des hauls, le craftelier que vous allez voir, il y a des mousses carrées avec différentes épaisseurs. Et en fonction de comment vous placez votre découpe, ça va faire un truc magnifique. Là, c'est extrêmement beau. Il y a du foil, mais pas à outrance. Donc ça, c'est vraiment très joli. Le chat noir est juste magnifique. Les bouquins, c'est vraiment magique, quoi. Donc ça, c'est Splendidly Spellbound. Donc là, vous avez les codes, mais vous pouvez les retrouver facilement sur son site. Et c'est très beau, très très beau. Là, vous pouvez faire, mais un jour un collage avec ça, ça va être canon. Ah ouais, c'est très très joli. Moi, j'adore Chiffon. C'est très beau, très très beau. Alors là, vous avez le chat et les bouquins. Celui-ci est très beau avec les champignons. Et les portes roses. La porte rose, là, avec les fleurs juste au-dessus, là. Oh, c'est beau, punaise. Qu'est-ce que c'est joli. C'est très, très, très joli. Bon, là, il y a une fourmi. T'as là, il y avait une araignée. J'aime pas ça, les araignées. Bon, je n'en suis pas phobique, mais j'aime pas trop ça. Du coup, voilà. Donc, on fera une superposition ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne, surtout pour les débutantes. Ensuite, vous avez celui-ci. Regardez-moi ce dragon. Alors, celui-ci s'appelle Secret Place. Celui-ci, c'est Mystic Moonlight. Attendez un peu. Magical Moonlight, Mystic Moonlight. Alors, je sais, ça peut pas aller ensemble, mais on sait jamais. Hein. Parce que là, c'est des licornes, et là, c'est un dragon et un loup. Mais, on vous inquiétez pas. Vous allez voir, on va faire un truc avec... C'est juste trop beau. Le dragon est juste trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Le loup, on n'en parle même pas. Avec la lune, là. Oh là là, c'est beau. C'est très très joli. Et du coup, vous voyez, c'est des découpes. Donc pareil, c'est prédécoupé. Vous avez juste à l'enlever, à le détacher correctement. Moi, je sais que sur certaines feuilles, j'utilise ce qui reste. Vous voyez, là, le fond est très beau. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire des choses. Je vous montrerai en vidéo comment utiliser les fonds de vos die cuts. Parce que vous pouvez faire des choses avec. Hein. Ça permet de pas jeter. Ensuite, la petite princesse. La couronne est trop belle. Et le papillon, j'en parle même pas. C'est vraiment très beau. Alors ça, c'est Bejeweled Beauty. Bejeweled, je crois que c'est des bijoux. Mais je suis pas sûr. Butterfly of Wish. To the Birthday Queen. Vous pouvez faire une jolie carte avec aussi. Hein. Avec des chutes et tout. Ouais, ça peut être pas mal. J'aime beaucoup. Ouais. Très, très beau. Très, 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 très joli. Ensuite, vous avez celui-ci avec le château, qui est très beau. Et là, avec la lanterne. Oh, c'est beau.
Ah ouais, mais canon quoi. Tellement canon. Celui-ci, c'est Enchanted Dreams. Rêve enchanté. On pourrait presque mettre ça dans une... Je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais rien dire. On verra comment je vais l'utiliser. Peut-être que je l'utiliserai comme j'allais vous dire, ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. Mais honnêtement, pour le moment, je dis rien. Ensuite, vous avez celui-ci avec les licornes qui s'appelle Fairy Kisses. Kiss. Je sais pas si ça se dit le S à la fin. Faudrait que je demande à Virginie. Kisses. Donc là, vous avez des super belles. Enfin, la super licorne que vous venez superposer. Et ici, la fée. Fairy Kiss. May all your dreams come true. Très beau, très très beau. Celui-ci, regardez. Oh là 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 là, avec le carrosse et tout. Mais c'est juste magnifique. Ah, vous avez des petits bouts, mais vous voyez, tout est accroché en fait. Hein. Et là, les petits bouts là, les petites fleurs et tout, vous venez remettre. Alors ça, c'est minutieux. Et j'ai oublié de prendre dans la commande que j'ai acheté chez Craftly une pince. Ah. Il n'y avait qu'une pince à verser, moi je ne sais pas l'utiliser. Donc, c'est un peu la galère. C'est trop beau. Alors, Happily Ever After. Le carrosse est d'une beauté. Très très beau, très très beau, très très beau. Et pour finir, vous allez voir cette chose, cette beauté. Vous allez voir, vous allez halluciner. Magical Journey. Ça va forcément vous faire penser à quelque chose. Forcément. Forcément, forcément, forcément. Forcément, vous allez penser à quelque chose. Moi, quand je le vois là, je sais à quoi ça me fait penser tout de suite. Magnifique. Le train, magnifique. Best switch. Hope your day is filled with magic. Il est magnifique. Alors, celui-ci, si je le montre à ma fille, je pense que je ne le reverrai jamais. Soyons clairs. Alizé est fan inconditionnel. Voilà. Je pense que je ne le reverrai jamais. Donc, est-ce que je lui montre ou est-ce que je le garde pour moi? Je ne sais pas encore. Mais je pense que je vais le garder pour moi parce qu'il est vraiment très beau. Franchement, c'est d'une beauté. Trop, trop beau. C'est canon. Canon, canon, canon. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez retrouver ces magnifiques choses, ces magnifiques kits de cartes, c'est magnifique kit de cartes, c'est magnifique die cut superposable en 3D. Si vous savez pas comment ça monte, je vous ferai un tuto avec un. Vous allez sur la boutique de Safe and Scrap. Vous utilisez mon code promo que vous trouverez en barre d'infos. Allez voir, ces blocs de papier sont juste magnifiques. Les prix, franchement, ça va, c'est hyper raisonnable, contrairement à certaines autres marques. Oh là 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 là, Stéphane, tu m'as pourri gâté, je ne sais pas quoi dire. Allez sur sa boutique, vous serez pas déçus, il y a des magnifiques choses, c'est super joli. Là, moi, je sais que je vais passer une commande d'ici peu de temps parce que je sais qu'elle a une guillotine qui va arriver en précommande et je pense que je vais me la prendre parce que j'en ai une moi, mais elle commence à faire un peu la tronche, elle est un peu gondolée comme ça. Et du coup, voilà. Mais honnêtement, ces kits de cartes sont juste extraordinaires et si vous voulez aussi des blocs, il y en a. Vous allez dans la rubrique papier et vous allez voir, il y en a des trop beaux. Il y a Belle et la Bête qui a tombé. Il y a un Cendrillon qui a tombé. Il y a... comment dire? Et je ne vous vende pas parce que, voilà, hein, c'est vraiment de la qualité. Parce que moi, je l'ai acheté, mes premiers blocs, je les ai achetés. Mes premiers blocs que chez Steph, je les ai achetés, c'est le Steampunk que vous avez déjà dû voir une paire de fois.
je l'ai pas là sous la main, mais je vais vous montrer là un jour un collage que j'avais fait avec. Ça va vous revenir. Celui-ci, moi, ces blocs-là, je les ai achetés dans sa boutique. Donc, je peux vous dire que je sais pourquoi je vous dis que c'est des papiers de qualité. Et quand on voit les prix, franchement, ça va. Donc, et en plus, vous avez 10%. Donc voilà. Donc écoutez, en attendant, moi je vous fais un gros bisou. Allez jeter un œil par curiosité et vous m'en donnerez des nouvelles. Et puis voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.